honorable député. Le gouvernement, on ne l'a pas entendu quand il y a eu un appel à l'ingérence. On ne l'entendra pas sur ce que vous qualifiez d'ingérence. Qui a sollicité le président Obama et le président Hollande sur un procès qui se déroule au Sénégal entre des Sénégalais? Qui a demandé que des juges français viennent se substituer à notre justice? Je pense vraiment, honorable, nous devons être conséquents. Être conséquent, c'est faire confiance à la justice de notre pays. Aujourd'hui, il y a ces procès. Moi, sur le fond, vous ne m'entendez jamais parler d'un procès. Je fais confiance à la justice sénégalaise. Si ceux qui sont aujourd'hui entre les mains, ils sont détenus, s'ils arrivent à prouver leur innocence, mais ils seront libérés, bien entendu, par la justice sénégalaise. Ben, s'ils sont reconnus coupables, ils seront condamnés. Il n'y a pas de réalité judiciaire. C'est vraiment cela que je voulais vous dire pour vous rassurer. Nous ne sommes pas des manipulateurs du droit. Nous ne sommes pas des manipulateurs de la justice. Nous ne sommes pas des manipulateurs de la société. Il y a une obligation de rendre compte qui s'appliquera demain à nous-mêmes. C'est pourquoi nous travaillons aujourd'hui pour servir et non nous servir. Je vous remercie.